Dans les salons Dufour, on a un album photo sur la vie de Dufour. Et on peut passer toutes ces pages. Et on s'est arrêté ce soir sur la page consacrée à Dufour et la Croix-Rouge. Et c'est ça qu'on va essayer de vous présenter maintenant. Pour que ça soit un petit peu moins rébarbatif, j'ai demandé à deux personnes de venir m'aider ce soir. Tout d'abord, Jean-Pierre Barras, le vice-président des Salons Dufour, qui est le secrétaire de la Fondation, qui jouera ce soir Monsieur Henri Dunant. Il prêtera sa voix. Et je remercie Jean-Pierre qui a pavoisé la Maison Dufour pour l'occasion ce soir avec le drapeau de Genève, de la Croix-Rouge et de Dufour. Et puis, nous aurons aussi, parce que l'idée c'est de voir les interactions de Dufour avec Dunant, et nous aurons ce soir le colonel John Ling qui va jouer le général Dufour. Et je le remercie d'avoir pavoisé ce pupitre avec le drapeau de la Croix-Rouge. Alors, je vous propose de débuter cette aventure de la création de la Croix-Rouge en 1859. Alors, il y aura un peu des redondances, évidemment, avec le film tout à l'heure. Date à laquelle Dufour est nommé pour la quatrième fois commandant-chef des troupes fédérales pour le contrôle de la frontière avec l'Italie lors des guerres du Risorgimento pour l'unité italienne. Ce ne sera pas tant ici une présentation qu'une page de la vie de Dufour que vous pouvez retrouver dans son album photo chronologique sur le site des Salons Dufour. Depuis de nombreux mois, le Genevois Henri Dunant essaye désespérément de rencontrer l'empereur des Français pour lui arracher, on l'a vu dans le film, une concession de chute d'eau en Algérie pour faire tourner ses moulins dans la région de Sétif, où il a ses plantations. En juin 1859, ils seront en Lombardie, et dans la région de Mantoue, où Napoléon III guerroie aux côtés des troupes du royaume de Sardaigne-Piémont-Savoie contre les Autrichiens. Vous trouverez en lien, alors je vais vous donner un peu les liens qu'on trouve aussi sur le site pour les gens qui s'intéressent au sujet. Donc vous aurez ici une biographie de Dunant, ainsi qu'une conférence qui a été donnée par Roger Durand, président de la Société Henri Dunant, sur la Croix-Rouge sous l'angle Dufour et Dunant, qui a fait l'objet de ce petit fascicule qui est là. Au soir du 24 juin, Dunant se rend dans le petit village de Castiglione, où, dans la soirée, quelques 9000 blessés sont rassemblés. Mais que s'est-il donc passé? À quelques 10 km de là, Solferino était baigné dans un épais brouillard qui, lorsqu'il se dissipe, met nez à nez environ 150 000 soldats franco-sardes à 150 000 autrichiens. La pagaille est complète, les transports n'ont pas été prévus, et ce qui est sur place est réquisitionné en priorité pour l'armement. Durant toute la journée, les blessés sont laissés à leur triste sort, et c'est que le soir que le service s'organise et que les blessés sont acheminés vers les localités avoisinantes. Henri Dunant nous évoque ce spectacle d'horreur. Jusqu'au 27 juin, date de mon départ pour Genève, jour et nuit, à la Chiesa Maggiore où s'entassent 500 blessés, je leur donne à boire, les lave, panse leurs blessures et leur distribue tabac, tisane et fruits. Ici est un soldat entièrement défiguré, dont la langue sort démesurément de sa mâchoire déchirée et brisée. Il s'agite, il veut se lever. J'arrose d'eau fraîche ses lèvres desséchées et sa langue durcie. Saisissant une poignée de charpie, je la trempe dans le seau que l'on porte derrière moi et je presse l'eau de cette éponge dans l'ouverture informe qui remplace sa bouche. Ce qui m'importe désormais, c'est de porter secours aux soldats blessés sans distinction de nationalité. Tutti fratelli, comme disaient les femmes de Castiglione, venues à la rescousse en suivant mon exemple. Je suis intervenu auprès de l'état-major français afin qu'on libère les médecins et chirurgiens autrichiens prisonniers pour leur permettre de soigner les soldats des deux camps. Pendant près de 3 ans, ce cauchemar de Castiglione va le hanter et en 1862,
il va écrire ce livre, Un souvenir de Solferino, qu'il va distribuer dans toutes les cours d'Europe et auprès des gens influents. En lien sur cette page, vous trouverez une conférence sur la bataille de Solferino, donnée le 1er novembre 2012 à l'Institut national genevois par l'historien Jean-Jacques Langendorf, qui est biographe aussi de Dufour, en marge de la pose d'une plaque au 14 rue Étienne Dumont, l'ancienne résidence de Jules Guillaume Fick, qui était l'éditeur du souvenir de Solferino, à l'occasion du 150e de la parution du livre. Et les salons Dufour ont rappelé à M. Durand, qui pose notre chef de pose de plaque de la République, que Dufour avait également habité dans cette même maison pendant 20 ans, et donc on y a rajouté une petite mention. Dunant termine ses propos par deux propositions. L'une consiste à former des volontaires en temps de paix, ce sera la base de l'institution de la Croix-Rouge, et l'autre s'attache à neutraliser ses volontaires sur les champs de bataille, et elle sera à l'origine des conventions de Genève. De son côté, 15 ans auparavant, durant la guerre du Sonderbund, lors de laquelle Dufour s'était signalé par sa retenue exemplaire, qui lui avait valu l'admiration du pays tout entier et le surnom de pacificateur, dont seul Nicolas de Flux, avant lui, avait été ratifié, Dufour, lors de cette offensive sur Lucerne, s'est vu confronté à un problème semblable. Dans son rapport général du commandant en chef des troupes fédérales sur l'armement de la campagne de 1847, il relevait « C'est ici le lieu de reconnaître les grands services qu'une société zurichoise a rendus en venant chercher avec des voitures très bien construites et accompagnées de personnes dévouées une grande quantité de blessés pour les transporter dans l'hôpital militaire de Zurich. Ces dignes personnes étaient infatigables et prodiguaient leurs soins aux malheureux blessés. Quant au transport des blessés du champ de bataille dans les ambulances et de là dans les hôpitaux, toutes les prescriptions réglementaires manquent encore, et il semble pourtant convenable de bien organiser ce service. Il faudrait des hommes spécialement destinés à cela, les fraternes ne pouvant suffire. Il faudrait de plus un train de voiture convenablement construite et placée sous une bonne direction pour le transport des blessés. » Aussi, lorsque il reçoit le livre de Dunant, Dufour ne peut être que réceptif à ses propositions, et dans une lettre du 19 octobre 1863, il lui confie. « Il faut que l'on voie par des exemples aussi palpitants que ceux que vous rapportez ce que la gloire des champs de bataille coûte de tortures et de larmes. On n'est que trop porté à ne voir que le côté brillant d'une guerre et à fermer les yeux sur ses tristes conséquences. Il est bon d'attirer l'attention sur cette question humanitaire, et c'est à quoi vos feuilles me semblent éminemment propres. Un examen attentif et profond peut en amener la solution par le concours des philanthropes de tous les pays. » Si Dufour reconnaît la beauté du projet, il se montre toutefois assez sceptique sur sa mise en œuvre pérenne. Il s'en ouvre ouvertement à Dunant tout en tenant à rester positif. « Sans doute qu'une association du genre que celle dont vous avez conçu l'idée serait bien désirable, mais sa réalisation rencontre de grandes difficultés. Elle ne peut guère être que temporaire et locale. Il faut un moment de crise pour donner naissance au dévouement. C'est ainsi qu'en 1847, il s'est formé à Zurich une association de secours qui nous a été bien utile au combat de Gislicon et dont j'ai accepté avec reconnaissance la coopération pour le transport des blessés. Et cette association était, pour ainsi dire, sur les lieux, et elle s'est dissoute au retour de la paix. Il est difficile d'imaginer comment de semblables corporations pourraient être permanentes et suivre les armées dans des guerres lointaines. Mais il ne faut pas désespérer du succès. » Je pense que c'est important ici, ces phrases, parce qu'on s'aperçoit que Dufour, lui, il n'a pas cette vision de la possibilité d'aller d'une manière pérenne dans le sens de Dunant. Donc le livre de Dunant est immédiatement un succès, on en parle dans toutes les chancelleries d'Europe. Il faut dire que la bataille de Solferino et les pertes qu'elle a induites, faute de soins prodigués
à temps aux blessés, a profondément bouleversé Napoléon III, qui met un fin immédiat à la guerre. Les médecins en chef de chaque pays sont également alarmés sur les conséquences de ces hécatombes sur les effectifs de leur armée. Car enfin, soyons pragmatiques, un soldat bien retapé, c'est un homme qu'on peut renvoyer au front. Le livre est traduit dans pratiquement toutes les langues d'Europe. Toutes les personnes influentes s'en emparent. C'est le cas de Gustave Moynier, jeune juriste de 38 ans, qui préside la Société de Genevoise d'utilité publique. Le 9 février 1963, il présente les conclusions de Dunant à la SGUP. Dans cette page, vous trouverez une biographie de Moynier et puis une conférence donnée par l'historien François Bugnon, qui est membre du comité du CICR, sur la Croix-Rouge sous l'angle, cette fois, de Dufour et Moynier, qui a aussi fait l'objet d'un fascicule. Vous pouvez retrouver ces deux fascicules sur Dunant et Moynier séparément ou en duopaque en plusieurs langues à la boutique du musée de la Croix-Rouge. Permettez-moi, mesdames les co-directrices du musée de Haydn, de vous en remettre une version en allemand. Durand va se méfier de Gustave Moynier, qu'il suspecte de vouloir s'approprier son projet. Assez prémonitoire. De son côté, la SGUP trouve le projet trop ambitieux, faute de moyens. Il faudra l'intervention de deux membres, spécialistes de la chirurgie de guerre, les docteurs Louis Appia et Théodore Monnoir, pour tourner un premier vote négatif en une proposition de créer une commission. Les procès-verbaux de ces discussions font état que Dufour intervient en réitérant ce qu'il avait dit à Dunant, à savoir que l'exécution d'un tel projet est difficile. Mais, en bon stratège, il propose quelque chose de plus grand, la tenue d'un congrès. Suivent deux pages de présentation sommaire sur lesquelles je ne vais pas m'attarder. Il y a celle du docteur Louis Appia, qui a fait l'objet d'un colloque il y a quelques années et dont je n'ai pas encore eu connaissance des actes. Et celle sur Théodore Monnoir. Roger Durand avait fait une conférence dans cette même salle il y a quelques années devant la Société Genevoise de Généalogie, mais il ne m'avait pas laissé filmer la soirée. Les archives de la SGUP révèlent que la commission, lors de cette séance du 9 février 1863, est chargée de rédiger un mémoire sur les propositions de Dunant à soumettre au Congrès international de bienfaisance en été 1863. Monsieur Moynier propose en outre, appuyé par Monsieur Dunant, que la commission se déclare elle-même constituée en comité international permanent. Cette motion est adoptée à l'unanimité et Monsieur le général Dufour est nommé par acclamation président de ce comité qui continuera donc à exister comme comité international de secours aux blessés en cas de guerre, une fois que le mandat qui lui a été confié par la Société Genevoise d'utilité publique aura pris fin. Dufour va se donner quelques jours de réflexion. Ces mêmes archives révèlent que le général Dufour n'eut cependant pas d'emblée une foi bien vive dans la possibilité d'organiser la charité privée pour venir au secours des blessés. Comme il n'apporta point dans la commission un esprit d'opposition systématique, mais qu'il y vint au contraire avec un sincère désir de trouver au problème une solution qui satisfie à tout le monde, il ne tarda pas à se laisser convaincre. Et le samedi 14 février 1863, il confirme à Dunant son ralliement par un billet. Mon cher monsieur, je serai très volontiers parti de votre commission et vous pourriez la convoquer pour mardi à 1 h. La commission est donc composée de 5 membres, le concepteur, Henri Dunant, le président de l'ASGUP, Gustave Moynier, les deux chirurgiens de guerre, Louis Appia et Théodore Monnoir, et l'homme qui peut rendre tout cela possible, le général Dufour. Avec Dufour, les affaires ne traînent généralement pas. Ainsi, en l'espace de 8 jours, dont 5 de réflexion, on passe d'une proposition de création d'une commission à la tenue concrète d'une première séance le mardi 17 février 1863.
Le comité réunit en un projet cohérent différentes suggestions qui sont interdépendantes et qui, séparées, n'auraient eu qu'un médiocre impact sur la situation des blessés, infirmiers, volontaires, signes distinctifs, neutralisation des ambulances, etc. Il inscrit d'emblée son action dans la durée. Il n'est plus ici question de ces associations charitables qui se forment spontanément au lendemain des grandes batailles et dont les secours, faute de préparation, arrivent le plus souvent trop tard. Les nouveaux comités seront permanents et devront se préparer déjà en temps de paix à s'acquitter de leur mission. De même, il n'est plus question de ces cartels éphémères que les circonstances permettent trop rarement de conduire à la veille des grandes batailles en vue de la neutralisation des ambulances et qui deviennent caduques dès la fin des combats. Il faut un traité indissoluble, conclu dès le temps de paix et valable pour tous les conflits. Ainsi seulement, la sauvegarde des ambulances sera garantie dès l'ouverture des hostilités et pour toute la durée de la guerre. 3. Enfin, le comité installe résolument son œuvre sur une base internationale. Par-dessus les frontières, les comités internationaux seront unis par un véritable lien de solidarité internationale. De même, le principe international conventionnel et sacré devra unir le plus grand nombre de puissances. À cette condition seulement, les blessés seront effectivement recueillis à quelque nation qu'ils appartiennent. Toujours, selon les archives de la SGUP, l'apport de Dufour est décisif. Ce sincère désir de trouver une solution se manifeste dès la première séance. Dufour y formula les conditions qui, selon lui, pourraient permettre de former des sociétés de secours. Tout d'abord, obtenir le consentement unanime des souverains. Inutile de créer des corps de volontaires si les gouvernements n'en veulent pas. Fonder les comités et non des sociétés partout en Europe, afin de pouvoir intervenir simultanément en cas de nécessité et en définir clairement les statuts. Placer les gens de bonne volonté qui apporteraient leur aide à la disposition des états-majors, les autorités militaires n'accepteraient jamais le concours de volontaires dont le contrôle leur échapperait. Et enfin, munir ces auxiliaires d'un uniforme et d'un brassard adoptés universellement pour qu'ils ne soient pas repoussés quand ils se présenteraient. Lors de l'été 1863, le comité international apprend que le congrès de statistique de Berlin n'aura pas lieu. Il entendait y faire saisir la question des infirmiers volontaires. Sans hésiter, dans sa séance du 25 août 1863, il décide de réunir à Genève, le 26 octobre, sous sa propre responsabilité, une conférence internationale dont l'objet sera d'étudier les moyens de pourvoir à l'insuffisance du service sanitaire dans les armées en campagne. Il prépare une invitation à tous les gouvernements de l'Europe, ainsi qu'à beaucoup de notabilités médicales, militaires et philanthropiques. Il y joint un projet de concordat dont les 10 articles posent les principes généraux de l'œuvre. Compromis, la question de la neutralisation des blessés et du personnel soignant, cher à Dunant, jugée trop ambitieuse, ne sera pas abordée. Dans cette page, l'historien François Bugnon revient sur cette séance du 25 août 1863 dans un extrait de sa conférence au Salon du Four du 28 août 2014 à l'occasion du 150e anniversaire de la signature de la première convention de Genève. Le 1er septembre, le comité international envoie son invitation. Dunant, représentant le comité au congrès des statistiques de Berlin, qui se termine le 12 septembre, en profite pour se la jouer perso et adresse dans le dos de ses collègues genevois une seconde invitation datée du 15 septembre dont il reprend la question de la neutralisation des blessés et du personnel soignant. Monsieur Dunant, pouvez-vous nous donner connaissance de cette lettre ? Très volontiers. Son Excellence, Monsieur le Comte d'Eulenburg, ministre de l'Intérieur de Prusse, a fermé solennellement le congrès de statistique de Berlin samedi 12 septembre.
Dans cette séance, le Congrès, qui avait été nanti du sujet de la formation des sociétés internationales et permanentes de secours pour les militaires blessés en temps de guerre, a pris une résolution entièrement favorable à ce sujet. Monsieur Henri Dunant, de Genève, l'auteur du Souvenir de Solferino, qui, comme on le sait, a proposé la formation de ces sociétés et avait été délégué par le comité de Genève pour assister au Congrès, et il a présenté au nom de ce comité une convocation pour une conférence internationale sur ce sujet spécial qui aura lieu à Genève le 26 octobre. Cette proposition avait été remise à la 4e section du Congrès, composée en partie de médecins militaires, pour qu'elle en fît un rapport à l'Assemblée générale. Ce rapport a été très sympathique à cette question, et le rapporteur de la 4e section, qui se trouvait être justement M. le docteur Basting, chirurgien-major des Pays-Bas et traducteur du Souvenir de Solferino, et qui connaissait à fond le plan proposé, l'a développé à l'Assemblée et a invité les membres du Congrès à se rendre à la conférence de Genève du 26 octobre. Les conclusions de la 4e section ont été adoptées à l'unanimité avec des marques de vive approbation. En conséquence de l'accueil favorable fait à son plan dans le Congrès de statistique, le comité de Genève propose, outre du projet de concordat, premièrement, que chaque gouvernement d'Europe daigne accorder sa protection spéciale et son haut patronage au comité général national qui doit être créé dans chacune des capitales de l'Europe et qui sera composé des personnes les plus honorables et les plus estimées. Deuxièmement, que ces mêmes gouvernements déclarent que désormais le personnel médical militaire et ceux qui en dépendent, y compris les secoureurs volontaires reconnus, soient regardés comme personnes neutres par les puissances belligérantes. Troisièmement, qu'en temps de guerre, les gouvernements s'engagent à faciliter les moyens de transport du personnel et des provisions charitables que ces sociétés enverront dans les pays envahis par la guerre. Enfin, le comité de Genève désire que la conférence internationale étudie et discute les moyens de réaliser cette œuvre éminemment humanitaire et philanthropique, tout en respectant les lois, habitudes et usages des différentes nations de l'Europe. Il désire également que la conférence examine comment, dans une lutte entre grandes puissances, on pourra porter les secours les plus efficaces sur le théâtre de la guerre pour les ressortissants de l'une et l'autre armée, en évitant soigneusement toute idée d'espionnage et tout ce qui serait en dehors du but spécialement charitable et chrétien de cette œuvre excellente. Le comité de Genève espère donc que les gouvernements de l'Europe voudront bien donner à leurs délégués à cette conférence les instructions nécessaires à ces divers égards. Et c'est signé le secrétaire du comité de Genève, votre serviteur, Henri Dunant. Voilà, imaginez la tête des membres du comité genevois lorsqu'ils apprennent en fait ce que Dunant avait fait dans leur dos. Et j'ai fait un petit lapsus avant, c'était le congrès de bienfaisance qui avait été annulé en été. Pas celui de statistique. La statistique, lui. Le congrès a lieu au Palais de l'Athénée de Genève, du 26 au 29 octobre 1863. On l'a dit, sont présents 36 personnes, dont 14 délégués de gouvernement, 6 délégués de diverses organisations, 7 personnes venues à titre privé. Ce caractère hybride à la fois public et privé, s'est perpétué dans les conférences internationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Le 26 octobre 2013, dans cette salle de l'Athénée, Roger Durand évoquait pour les Salons du Four cette conférence du 26 au 29 octobre 1863. On peut la retrouver sur cette page. La conférence est présidée par Dufour, secondée par le juriste Monnier. Le général ouvre prudemment cette conférence. Il ne souhaite pas mettre la pression sur le Congrès, il avance pas à pas et recherche un consensus qui permettrait d'aller de l'avant. Nous sommes réunis, messieurs, pour voir s'il n'y aurait pas quelques possibilités de réaliser une idée philanthropique émise dans l'ouvrage d'Henri Dunant.
Nous n'affirmons pas a priori que cette possibilité existe. Mais nous espérons que cette assemblée d'hommes essentiellement capables de s'occuper de semblables questions pourra arriver à la solution du difficile problème que nous nous sommes posés. Cela est désirable pour tout le monde, mais avant tout pour les malheureux soldats. On ne se pénètre pas assez de la situation d'un homme servant comme simple soldat et qui, le plus souvent, après avoir supporté pendant longtemps les privations de tout genre, arrive sur le champ de bataille et là, après avoir combattu pour son drapeau avec courage et dévouement, se trouve pour récompense livré à des douleurs qui vont jusqu'à la torture, auxquelles le moindre soulagement fait défaut et qui se double souvent des affreuses questions de l'abandon. J'ai ensuite posé la question, car est-ce-nous, messieurs, une vaine utopie? Le but que nous voudrions atteindre est-il tellement élevé que la réunion de tous nos efforts ne puisse y suffire? S'il en est ainsi, il faudra bien s'incliner, et nous aurons eu le mérite d'avoir tenté l'entreprise. Et je suis resté très mesuré dans mes attentes. Ainsi, nous ne devons pas être découragés d'avance par la perspective d'un insuccès momentané. Bien vu, général. C'est gagné. La conférence de 1863 adopte pour base un projet de concordat préparé par le Comité international. Elle se termine par l'adoption de 10 résolutions et la soumission de 3 vœux qui constituent les fondements des sociétés de secours aux militaires blessés. Dufour reporte dans ses notes. À la fin du mois d'octobre 1863, il a été tenu sous ma présidence un congrès international pour aviser aux moyens de porter secours aux blessés des champs de bataille, indépendamment des secours réguliers qu'ils peuvent trouver dans les ambulances militaires. Ce congrès a excité une vive sympathie. Presque toutes les nations de l'Europe étaient représentées par de grands personnages de l'ordre médico-militaire. Cependant, il n'y a été pris aucune résolution obligatoire parce que c'était plutôt une simple conférence qu'un congrès proprement dit. Félicitations, monsieur Dunant. Grâce à votre détermination et votre opiniâtreté, nous sommes arrivés à un magnifique résultat. Voulez-vous donc nous lire ces 10 résolutions et ces 3 vœux ? Merci. Résolution de la Conférence internationale de Genève. La Conférence internationale, désireuse de venir en aide aux blessés dans les cas où le service de santé militaire serait insuffisant, adopte les résolutions suivantes. Article 1er. Il existe dans chaque pays un comité dont le mandat consiste à concourir en temps de guerre, s'il y a lieu et par tous les moyens en son pouvoir, au service de santé des armées. Ce comité s'organise lui-même de la manière qui lui paraît la plus utile et la plus convenable. Article 2. Des sections, en nombre illimité, peuvent se former pour seconder ce comité auquel appartient la direction générale. Article 3. Chaque comité doit se mettre en rapport avec le gouvernement de son pays pour que ses offres de services soient agréées le cas échéant. Article 4. En temps de paix, les comités et sections s'occupent des moyens de se rendre véritablement utiles en temps de guerre, spécialement en préparant des secours matériels de tout genre et en cherchant à former et à instruire des infirmiers volontaires. Article 5. En cas de guerre, les comités des nations belligérantes fournissent, dans la mesure de leurs ressources, des secours à leurs armées respectives. En particulier, ils organisent et mettent en activité les infirmiers volontaires et ils font disposer, d'accord avec l'autorité militaire, des locaux pour y soigner les blessés. Ils peuvent solliciter le concours des comités appartenant aux nations neutres. Article 6. Sur l'appel ou avec l'agrément de l'autorité militaire, les comités envoient des infirmiers volontaires sur le champ de bataille. Ils les mettent alors sous la direction des chefs militaires. Article 7. Les infirmiers volontaires employés à la suite des armées doivent être pourvus par leurs comités respectifs de tout ce qui est nécessaire à leur entretien. Article 8. Ils portent dans tous les pays comme signe distinctif uniforme un brassard blanc avec une croix rouge.
Article 9. Les comités et sections des divers pays peuvent se réunir en congrès internationaux pour se communiquer leurs expériences et se concerter sur les mesures à prendre dans l'intérêt de l'œuvre. Article 10. L'échange des communications entre les comités des diverses nations se fait provisoirement par l'entremise du comité de Genève. Et indépendamment des résolutions ci-dessus, la conférence émet les vœux suivants. Premièrement, que les gouvernements accordent leur haute protection aux comités de secours qui se formeront et facilitent autant que possible l'accomplissement de leur mandat. Deuxièmement, que la neutralisation soit proclamée en temps de guerre par les nations belligérantes pour les ambulances et hôpitaux, et qu'elle soit également admise de la manière la plus complète pour le personnel sanitaire officiel, pour les infirmiers volontaires, pour les habitants du pays qui iront secourir les blessés et pour les blessés eux-mêmes. Troisièmement, qu'un signe distinctif identique soit admis pour les corps sanitaires de toutes les armées ou tout au moins pour les personnes d'une même armée attachées à ce service et qu'un drapeau identique soit aussi adopté dans tous les pays pour les ambulances et hôpitaux, fait à Genève en octobre 1863. Voilà, et vous pouvez retrouver ce document officiel en lien sur cette page. La question de l'emblème continue de tarauder les experts. Qui en a eu l'idée? Qui peut s'attribuer la paternité? Pour ses descendants, Louis Appiah, dès le début, préconise le port d'un brassard blanc, déjà reconnu pour les redditions ou les parlementaires sur le champ de bataille. Dans les documents officiels, il est tout à coup fait mention d'une croix rouge, sans préciser qui l'a proposée et surtout comment l'a dessinée. Le CICR, lui, semble avoir tranché pour l'inversion du drapeau suisse. L'unicité et l'universalité de l'emblème protecteur vont de pair avec sa neutralité. L'historien François Bugnon répond en haut de cette page à cette épineuse question en marge d'une conférence donnée le 28 août 2014 à la Maison du Four. En bas de la page, vous trouverez un lien sur une brochure du CICR qui parle des emblèmes. Je fais ici une petite parenthèse. On pourra s'interroger sur les conséquences pour l'œuvre de la Croix-Rouge de l'abandon de la neutralité suisse en 2022 sans l'accord du peuple. Faut-il le préciser. Fin de parenthèse. Cette période de la bataille de Solferino à la conférence du 26 octobre 1863 nous est contée par l'historien François Bugnon dans une conférence donnée pour les Salons du Four au Palais de l'Athénée le 26 octobre 2013 à l'occasion du 150e anniversaire de la conférence. À noter au passage à l'écran les différents noms du Comité international de secours pour les militaires blessés. On voit Comité des Saints, Comité Genevois, Comité international Genevois. Donc on a plusieurs mentions de ça. Le 13 mars 1864, Dufour remet sa présidence à Gustave Moynier, qui la gardera jusqu'à sa mort le 21 août 1910. Dufour est alors nommé président d'honneur. À noter qu'il assistera fidèlement à 214 des 227 séances de Croix-Rouge tenues de son vivant. Le 26 mai 1864, Gustave Moynier, président, et Dufour, président d'honneur, écrivent au Conseil fédéral pour requérir sa haute intervention, car le comité genevois n'est pas qualifié pour provoquer un tel congrès, les tractations diplomatiques étant la seule voie pour y parvenir. Observez bien la première apparition de l'emblème du comité international. Et vous trouverez l'original de cette lettre en lien dans cette page. Le Conseil fédéral accède à leur demande et le 8 juin 1864 adresse une convocation à toutes les chancelleries d'Europe, aux États-Unis, au Brésil et au Mexique, les invitant à une conférence diplomatique qui se tiendra à Genève le 8 août 1864. On retrouvera aussi en lien dans cette page l'intégralité de cette invitation. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on n'a pas l'impression que les chancelleries à l'Est aient été invitées, comme l'Autriche, comme la Russie, je sais pas. Un truc, un sujet peut-être à creuser. Le 19 juillet,
Il nomme messieurs le général Dufour, Moynier et le docteur Lehmann, délégués plénipotentiaires de la Suisse au Congrès international de secours pour les militaires blessés et leur donne les instructions suivantes. 1. Discuter avec le Conseil d'État de Genève des questions logistiques, et puis il y a un certain nombre de descriptions. 2. Souhaiter la bienvenue au nom du Conseil fédéral aux plénipotentiaires étrangers. 3. Accorder aux 3 membres du Comité international genevois, non revêtus du pouvoir de la Confédération, et aux membres du Conseil d'État la faveur d'assister comme auditeurs aux séances du Congrès. On a souvent dit que Dunant n'était pas dans la salle, mais en fait, en l'occurrence, il y est. 4. Voter avec les pleins pouvoirs toute proposition concernant le but et l'organisation, mais reporter immédiatement au Conseil fédéral toute proposition imprévue ou urgente. 5. Signer au nom de la Confédération suisse une convention internationale sous réserve de ratification par l'Assemblée fédérale. S'agissant du vœu B, voter en principe pour la neutralisation la plus complète, mais si elle devait être limitée, adhérer aux restrictions qui leur paraîtront convenables. S'agissant du vœu C, se prononcer de préférence pour le brassard blanc avec la croix rouge. Et vous trouverez ce document officiel dans cette page. La conférence s'ouvre le 8 août 1864 dans la salle de l'Alabama de l'hôtel de ville de Genève. C'est à nouveau le général Dufour qui préside la conférence. 16 pays, 26 délégués ont répondu à l'appel. Je vous propose de découvrir la localisation des différentes délégations dans la salle. Aux côtés de la Suisse, la France, la Prusse, la Grande-Bretagne, le Badet, la toute jeune Italie, les États-Unis, la Suède, le Württemberg, le Portugal, les Pays-Bas, la Saxe, le Danemark, la Belgique, le S et l'Espagne, avec en rouge les délégués qui finalement n'ont pas signé. La conférence va durer jusqu'au 22 août de l'année. Selon une lettre de Moynier au docteur Lehmann du 30 juillet 1864, on lui apprend que c'est Dufour qui rédigea le projet de convention devant servir de base aux discussions et que le texte ne subit pas de changement majeur au cours des débats. Chose rare dans un congrès diplomatique, il ne s'agissait point ici de débattre des intérêts contradictoires ni de concilier des prétentions opposées. Tout le monde était d'accord. Le seul but que l'on se proposa était de se consacrer solennellement à un principe humanitaire, savoir la neutralité des soldats blessés et de tout le personnel employé à les secourir. Ce qui est intéressant dans cette phrase, c'est que la principale chose qui a été retenue, c'est ce que Moynier voulait éviter qu'on parle, qu'on décide. Et que Dunant, par son opiniâtreté, a été recherché au Congrès de statistique. C'est remarquable. Grâce aux archives des ministères de la guerre et des affaires étrangères de Paris, nous savons que ce consensus initial ne fut pas acquis sans concertation préalable, notamment entre le général Dufour et Jägerschmidt, délégués par le ministre des Affaires étrangères français, qui naviguaient entre le support inconditionnel de Napoléon III et son ministre de la guerre, premier concerné par les décisions qui seraient prises. Le 22 août 1864, cette convention est signée par 12 États, le Badet, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la France, le S, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal, la Prusse, la Suisse et le Württemberg. Le droit international humanitaire moderne est né. Cette convention, déposée non pas au CICR, comme on pourrait s'y attendre, mais aux archives fédérales à Berne, vous est proposée en intégralité. En bas dans ce lien, à noter que le CICR, jusqu'à peu, avait que la première page et les deux dernières pages, et qu'ils n'avaient pas l'intégralité des documents que nous leur avons fournis. Vous pouvez en admirer un facsimilé au premier étage de cette maison, dans le salon Croix-Rouge que nous avons laissé ouvert à votre attention ce soir. Vous y trouverez également une copie du tableau, dont l'original est encore accroché aujourd'hui au mur de la salle de l'Alabama, du peintre français Charles-Édouard Armand Dumaresque, qui a immortalisé cette conférence diplomatique.
Vous y reconnaîtrez le général Dufour au centre, avec Gustave Moynier à ses côtés. François Bugnon, au lien de cette page, vous évoque cette deuxième étape de la création de la Croix-Rouge depuis la conférence d'octobre 1863 à la convention de Genève du 22 août 1864. À l'image, le portrait des 20 signataires de la convention. Monsieur Dunant, je crois que vous aviez une petite anecdote sur les... sur des événements qui se sont passés le jour de cette oui. signature. Alors, donc le jour de la signature, la ville de Genève a réservé une de ses Genferailles à ses hôtes étrangers sous la forme d'une émeute qui a fait 5 morts et une dizaine de blessés à la suite d'une élection contestée. Donc l'histoire débute un petit peu plus tôt dans l'année, le 12 juillet. Un des conseillers d'État en exercice, qui s'appelait Chalet-Venel, a été élu au Conseil fédéral. Donc il fallait remplacer ce conseiller d'État. Puis on avait deux factions qui s'opposaient. Les radicaux soutenaient la candidature de James Fazi. Et puis les indépendants, c'est-à-dire en fait le parti conservateur, celle du député au Grand Conseil et banquier Arthur Chenevière. Donc l'élection avait été convoquée pour le 21 juillet, donc le Conseil général s'est assemblé au bâtiment électoral pour voter, et comme il était de tradition, le dépouillement avait lieu le lendemain, 22, donc le même jour que celui de la signature de la Convention. Et puis, aux grandes dames des radicaux, ils ont dû constater que Chenevière avait environ un peu plus de 300 voix d'avance sur James Fazi. Et puis, comme le bureau électoral était présidé par un radical, et que la majeure partie de son effectif était également des radicaux, ils ont en fait refusé de valider l'élection sous d'obscurs principes. Mais en fait, c'était simplement parce que l'élection de Chenevière leur déplaisait. Alors naturellement, ça a provoqué la fureur des conservateurs qui se sont rués au nombre de 1500 ou 2000 à l'hôtel de ville. Ils ont envahi la cour, ils ont envahi la rampe de l'hôtel de ville, ils ont même essayé d'entrer dans la salle qui deviendra celle de l'Alabama où le congrès de la Croix-Rouge se tenait à huis clos. Et puis ils ont exigé du Conseil d'État qui proclame l'élection de Chenevière. Alors bien sûr, le Conseil d'État, il était aussi formé de radicaux. Donc ils ont commencé par essayer de temporiser un peu en disant que ce n'était pas dans leur pouvoir de proclamer l'élection d'un nouveau conseiller. Puis comme la tension montait dans la cour, ils ont fini par lâcher du lest et puis charger le commissaire de police d'aller proclamer dans toute la ville l'élection de Chenevière. Donc ce commissaire s'est mis en route, accompagné de deux huissiers, accompagné de 7 ou 8 tambours, et puis suivi d'une importante foule de sympathisants du Parti conservateur. Entre-temps, la tension montait aussi du côté des radicaux. Quelques excitateurs avaient fait courir le bruit qu'une contre-révolution était en cours à l'hôtel de ville et que la Constitution était menacée. Donc les radicaux ont commencé par se rassembler à l'ancien entrepôt de Champ-de-Poulet pour s'organiser. Ils ont couru aux armes, ils ont commencé à ériger des barricades à Saint-Gervais. 200 à 300 d'entre eux sont allés se servir dans l'arsenal du Grand Pré. Ils y ont pris des fusils et 5 pièces d'artillerie. Ils ont mis en fait tout le quartier de Saint-Gervais en état de défense. Et donc, quand le cortège de la proclamation s'est avancé par le pont des Bergues, la place Chevelue, la rue du Cendrier, puis est arrivé au bas de la rue de Champ-de-Poulet, ils se sont fait violemment prendre à partie par les radicaux, qui après avoir tiré en l'air, les ont chargés, ont fait feu sur eux, donc il y a eu en effet 4 ou 5 morts et une dizaine de blessés. Et donc, le cortège a dû refluer de l'autre côté du Rhône. Et donc les conservateurs instruits de ce qui s'était passé ont décidé eux-mêmes de recourir aux armes. Donc sur la fin de l'après-midi, ils ont réinvesti l'hôtel de ville, ils ont fait prisonnier le Conseil d'État,
et puis ils ont été servir d'armes dans l'ancien arsenal qui est juste en face de l'hôtel de ville. La porte était fermée, donc ils ont mis des échelles contre la façade pour rentrer par les fenêtres, puis ramasser tous les fusils qu'il y avait à l'intérieur. Ils ont érigé des barricades des deux côtés de la rue de l'hôtel de ville pour tenir la position face aux radicaux. Et puis bon, on pouvait s'attendre au pire. Sauf que sur le coup des 5 heures du soir, des bataillons qui étaient à l'exercice au plan Les Ouates, de soldats, de miliciens, ont été rappelés en ville pour y rétablir l'ordre. Et donc, on a commencé à avoir quelques négociations qui se sont mises en place. Le Conseil d'État s'est rendu à Saint-Gervais pour montrer qu'il était libre de ses mouvements. Et puis donc la tension est retombée, les gens ont rendu ou ont été déposés leurs armes, et puis les barricades ont été ôtées assez rapidement. Mais donc en fait, cette émeute après a eu deux conséquences pour Genève. D'abord, une occupation militaire de la ville, parce que pour des raisons de sécurité, le Conseil fédéral a décidé d'envoyer des contingents d'autres cantons pour assurer la sécurité publique. Ça a duré jusqu'au mois de janvier 1965, donc sur une période assez longue. Puis naturellement, les conservateurs voulaient également que ceux qui avaient commandé, qui avaient initié cette fusillade, soient jugés. Donc il y a eu des assises fédérales à Genève, un procès qui s'est tenu au mois de décembre 1864, dans lequel il y avait 14 prévenus, 12 radicaux et 2 conservateurs, mais au final qui n'a abouti à rien, parce que le jury, peut-être pour éviter de se mêler des affaires genevoises, ou peut-être par volonté de pacification, n'a prononcé aucune condamnation. Donc c'est ainsi que cette affaire s'est terminée. Mais ce qui est aussi intéressant de remarquer, c'est que c'est un peu par coïncidence que ces deux événements sont produits en même temps, parce que normalement la signature de la convention n'aurait pas dû intervenir le 22, mais le 19. En fait, le texte définitif avait déjà été approuvé le jeudi 18 au soir, puis normalement la signature aurait pu intervenir le lendemain. Sauf que, à l'époque, on n'avait pas d'imprimante, donc il fallait recopier le texte pour tous les délégués, et puis certains délégués attendaient encore la confirmation de leur gouvernement qui pouvait effectivement signer ce texte. Et c'est pour cette raison que Dufour a dû reporter la date de la signature au 22, même s'il devait très certainement savoir, vu la tension qu'il y avait eu pendant la campagne électorale, que ce n'était pas une date idéale, parce qu'il y allait avoir des heurts ce jour-là. Mais donc c'est finalement par décalage de la date de signature que cette insurrection, cette émeute et la signature de la convention sur la Croix-Rouge se sont produites le même jour. Mais en tous les cas, certainement, les délégués des différents pays ont dû rapporter un souvenir assez particulier de leur séjour dans notre ville. Merci, M. Dunand. Alors, la convention est ratifiée par la Confédération helvétique le 1er octobre 1864. On peut retrouver le document en lien sur cette page. Et je voulais porter mon regard sur les cinq membres du comité genevois. Tout d'abord, pour moi, Appia et Mounoir, ils ont eu cette idée de génie de tourner quelque chose qui était un vote négatif qui aurait dû mettre fin à cette aventure de Dunand en créant une commission. Donc ça, c'était brillant. Et je pense que si on n'avait pas déjà ça, on n'aurait pas pu aller plus loin. Évidemment, on a derrière le visionnaire qui a l'obstination et cet ensemble qui il voit exactement où il veut aller, ce que les autres qui sont autour de lui ne voient pas. Et ça, il va évidemment défendre tout ça. On a vu, il publie le livre assez frais, il fait le tour de l'Europe, il récupère l'intégralité de son projet, et pas juste des petits bouts comme on a voulu le faire. Donc voilà, ben, c'est la ténacité qui amène. De son côté, Dufour, lui qui n'y a pas cru,
va quand même tenter l'entreprise parce qu'elle est importante et il va mettre tout son poids pour qu'elle aboutisse. Et là, on voit toute la maîtrise, la stratégie, de savoir comment il faut parler aux gens, comment avancer à pas, comment on gagne des petites victoires pour arriver à un objectif final. Ça, c'est typiquement Dufour. Et puis, on a un moigné qui va assurer 50 ans de développement de cette Croix-Rouge. Et ça, c'est aussi remarquable parce qu'il va, on va le voir, il va augmenter dans différents aspects la protection des gens. Et je voulais laisser à l'historien genevois Jean-Daniel Condot le soin de nous résumer ce chapitre de la Croix-Rouge dans un extrait d'un film de la RTS de 1987, tourné à l'occasion du bicentenaire de la naissance de Dufour, un film qui s'intitulait « Voilà 200 ans, naissait le général Dufour ». Il est incontestable que pour nous, Suisses, le grand fait qui mérite notre reconnaissance à Dufour, c'est d'avoir résolu la crise du Sonderbund, mais pour l'humanité, c'est d'avoir été l'un des pères fondateurs de la Croix-Rouge. Et il n'y a pas de doute non plus que si Henri Dunant n'avait pas rencontré l'appui, non seulement du juriste Moigné, qui était encore un inconnu à cette époque, mais surtout de ce prestigieux général vainqueur qui jouissait d'une autorité incontestée en Suisse et ailleurs et qui de plus était l'ami intime, le correspondant, on l'a dit tout à l'heure, de Napoléon III, le maître de la France d'alors, s'il n'avait pas eu l'appui de Dufour, la Croix-Rouge aurait peut-être connu le sort de beaucoup de ces entreprises un peu utopiques, un peu idéalistes, qui démarrent très bien et qui ensuite disparaissent parce que, dans le fond, elle ne trouve pas dans la population, dans les conseils politiques, les appuis nécessaires. Ça a été l'œuvre, le succès de Dufour d'avoir su intéresser et Napoléon III et le gouvernement fédéral suisse à l'entreprise. Et peu à peu, en faisant boule de neige, tous les gouvernements ont signé la fameuse convention de 1864.